Our second speaker today is fellow member of the ICA Executive Board, Odile Welfrelet. And Odile's from the Ministère de la Culture Archives de France. She's a trained archivist and senior heritage curator, currently working as policy officer in Archives of France for the International Corporation. And Odile is speaking on archive buildings, witnesses of the past, and bridges to modernity. So please welcome Odile. Thank you, Tim. Thank you, Peter. Je vais parler en français, mais je voudrais remercier donc mon collègue Tim de m'avoir permis de présenter cette communication qui ne sera pas tellement technique, plutôt un point de vue assez illustré en photo, parce que je pense que c'est la fin de la conférence et que vous devez tous être un peu fatigués, donc ce sera beaucoup de photos. Et je voudrais remercier, I would like to thank our colleague Peter for this very interesting experience in Manchester. I think it's a new way of dealing with archives and public, and it's I worked in a museum at a moment of my career, and I had some giant screens to allow more interactions, and it was in fact very very appreciated by the public. So I think we need to develop more things like this project, but in France, it's more the traditional way of how to keep archives and allow public to have access to them. Donc, les commencements en France, comme vous le savez peut-être, chez nous, les archives commencent avec le nom d'archives nationales, en réalité avec la Révolution française. Nous avions bien sûr avant des archives royales, mais le concept d'archives nationales, donc ouvert au public, et les archives de la nation, alors elles n'étaient pas ouvertes au public, mais les archives de la nation, donc ont été créées très très tôt, c'est-à-dire qu'en fait, dès 1789, donc dès la première année de la Révolution française, la nouvelle Assemblée constituante élit son archiviste. C'est une élection, c'est amusant, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont élues pour l'administration, finalement, de l'Assemblée, et l'archiviste est élu, c'est donc il est aussi député de Paris, c'est donc un représentant de l'Assemblée, et donc Armand Gaston Camus, c'est le premier donc archiviste, et il est en charge uniquement des archives produites par l'Assemblée, donc le reflet de ce nouveau pouvoir. Il va mourir littéralement à la tâche, c'est-à-dire, je crois, dans son bureau en 1804, donc avec la période qui arrive avec la période du consulat et la période napoléonienne. Mais à l'époque, si on désigne un archiviste, il n'y a pas en réalité de bâtiments spécifiques qui sont attribués aux archives, ce qui va être un souci pendant plusieurs années, en réalité, et même quasiment presque 10 ans. Donc, dès le début, il y a aussi ces archives nationales, il y a un sceau, donc je vous le montre là, les archives nationales ont leur propre sceau, donc où c'est écrit « Archives nationales de France, la nation ». La loi et le roi, puisque nous sommes encore dans un régime où Louis XVI est encore en place dans une sorte de monarchie parlementaire. Bon, c'est comme vous le savez, c'est quelque chose qui n'a pas duré très longtemps en France. Alors, ensuite, en 1801, il y a, après les différents remous de l'histoire dans cette époque révolutionnaire très compliquée, et avec l'arrivée donc du consulat qui prépare l'Empire, il y a énormément de tous ces papiers en fait de la période précédente, c'est-à-dire que les archives donc royales,
de l'administration royale, qui était très importante, de tous les ministères qui existaient, comme d'ailleurs les archives, là je parle des archives centrales, mais les archives religieuses, les archives municipales et locales, les archives notariales, toutes ces archives qui étaient produites par ces institutions, qui sont notamment pour l'Église et évidemment les anciennes institutions monarchiques, tombées, qui n'existent plus, sont éparpillées un peu partout dans Paris et autour de Paris, sans qu'il n'y ait plus quelqu'un, sans propriétaire en réalité. Donc on avait hier un échange sur la question de la provenance. Alors on savait d'où ça venait, mais là il n'y avait plus personne pour s'en occuper, et non plus sans magasin, sans dépôt, sans lieu d'archives. D'ailleurs, en fait, avant même 1789, les lieux d'archives étaient quand même très très dispersés dans Paris. Il n'y a jamais eu d'archives uniques pour la période précédant la période révolutionnaire. Et cette question à la fois de propriété et de magasin s'est posée de manière cruciale, car en réalité, l'intérêt quand même de la révolution, enfin de cette période, qu'ils ont eu en quelque sorte l'idée, l'intelligence de dire: on ne va pas jeter ce qui existait avant, on ne va pas faire table rase du passé, mais on va garder tous ces documents pour pouvoir les offrir à la nation. Et donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que le premier archiviste est donc élu en 1789. La première loi sur les archives qui crée les archives nationales, c'est le 25 juin 1794. C'est une loi qu'on appelle, nous, la loi Messidor en deux. C'est le calendrier révolutionnaire. Et donc, cette loi, en 1794, donc quelques années, six ans après la Révolution, quelques années après la Révolution française, moins de 10 ans, elles sont gardées, les préciser qu'elles sont gardées pour chaque citoyen. Et en 1796, une autre loi dit que les archives régionales doivent être gardées dans les principales villes, ce qui finalement va être à l'origine de nos départements ensuite et de nos archives départementales et municipales. Donc vous voyez que très tôt, finalement, le système politique français, avec cette nouvelle forme d'État, organise très très tôt ses archives. C'est vraiment très intéressant. Donc tout de suite après la mort de Gaston Camus en 1804, donc on embauche un deuxième archiviste, donc Pierre Denoux, qui était un avocat avant, donc un juriste, et qui a été la tête des archives donc assez longtemps, comme vous le voyez. Il fallait donc trouver des bâtiments, et donc ce n'est qu'en 1808, je fais ça relativement rapidement quand même, que l'hôtel de Soubise et l'hôtel de Rouen, que certains d'entre vous connaissent peut-être, ont été officiellement achetés. Donc c'est aujourd'hui toujours le siège des archives nationales à Paris, c'est dans le centre de Paris, dans un quartier qui s'appelle le Marais, qui est un quartier ancien, où il y avait beaucoup de bâtiments antérieurs au XVIIIe siècle, et beaucoup de ce qu'on appelle en français des hôtels particuliers, donc mansions, aristocratic mansions. Et donc l'hôtel de Soubise, qui est à gauche, est une très jolie cour fermée avec une colonnade, et l'hôtel de Rouen a été construit en fait, un ecclésiastique était le frère du prince de Soubise, donc il a construit son hôtel quasiment sur le même terrain. Il pouvait traverser et aller à pied pour voir son frère de l'autre côté. Donc ce sont d'ailleurs, de manière intéressante, je vais parler de la réhabilitation de bâtiments, l'hôtel de Soubise à gauche, c'est en fait le résultat de ce qu'on appelle en français du façadisme, c'est-à-dire qu'on a posé une façade 18e siècle sur un hôtel du 16e siècle. En réalité, une partie du bâtiment à l'arrière est plus ancien, a été gardée, mais comme ça coûtait trop cher de tout construire, on a posé une nouvelle façade. Donc c'est déjà de la réutilisation de bâtiments qui sont donc qui avaient été confisqués donc pendant la Révolution, vendus à un marchand de biens et officiellement achetés par l'État donc en 1808.
Alors, je vous montrerai un plan d'ensemble. Donc, ensuite, donc, l'hôtel de Soubise, évidemment, c'est très petit. Ce sont des salles de réception. Il y a quelques pièces à l'étage, des chambres. À l'arrière, ce sont des pièces de service. Et donc, en fait, toutes les archives sont arrivées dans l'hôtel de Soubise, dans la cour et dans l'entrée. Et puis, Pierre Donou, l'archiviste, a été horrifié parce que tout a été empilé. Il y avait des archives jusqu'au plafond. Et évidemment, ce n'est pas des vraies archives. On ne peut pas s'en servir. Donc ce n'est absolument pas possible de se servir de ces archives, d'où le projet de construction dans les périodes suivantes, donc au moment de la restauration de la monarchie et puis du Second Empire, donc au long du XIXe siècle, sur les côtés en fait, de l'hôtel de Soubise. C'est ce que nous appelons les grands dépôts, qui sont des dépôts... par exemple, dans cette galerie du Parlement, qui est très spectaculaire et que vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous, la galerie du Parlement, ce sont les archives de la justice. Ça a été construit, celle-ci, en 1847, donc à la moitié du 19e siècle, pour garder donc, les anciennes archives des cours de justice depuis le 13e siècle, jusqu'en 1790. 26 800 documents reliés sont conservés dans cette magnifique galerie. Alors nous avons aussi, pas loin, ce qu'on appelle l'armoire de fer, qui est une conception de la période napoléonienne. C'est quelque chose de très très lourd, qui n'a pas été installé là d'emblée. Il y a plusieurs épaisseurs de métal, ça pèse des tonnes. Ça a été très très compliqué de venir l'installer dans ces bâtiments historiques, mais c'est un coffre, au sens propre du terme, avec deux portes, plusieurs clés et même un code, qui garde les documents les plus importants, comme nos constitutions, à commencer par la première constitution pour la France, et puis par exemple la dernière lettre de la reine Marie-Antoinette, ou le journal, le carnet, The Diary, de Louis XVI, avec cette très fameuse note sur le 14 juillet 1789, où il écrit « Nothing », rien. Et puis, vous voyez les reliures donc, de ces registres du Parlement, ce sont en général des reliures en peau. Le plus ancien document aux archives nationales est un document de l'époque mérovingienne, et il est sur du papyrus. Ce qui était à l'époque encore un support très utilisé et moins coûteux que le velin, moins coûteux que la peau. Alors, l'autre galerie complémentaire à la galerie des grands dépôts s'est construite après, à l'époque de Napoléon III, donc après la période de la restauration de la Deuxième République, donc deuxième moitié du XIXe siècle. Vous voyez là des structures, donc aujourd'hui évidemment on ne ferait plus ça comme ça. Il y a un éclairage latéral assez fort, mais à l'époque, l'électricité n'était pas installée dans les dépôts. Il fallait donc une lumière naturelle. Il n'y avait pas vraiment de système de ventilation. C'est une sorte de système de circulation d'air. Et vous voyez que les étagères sont... Enfin, vous ne voyez pas, mais les étagères sont fixes. Enfin, on peut le deviner. C'est vraiment construit donc pour un certain format de carton ou de boîte. Donc, ce n'est pas évolutif. Et il y a un système... Donc, c'est très haut de plafond... avec des éléments en métal, donc ce qui rappelle un petit peu le système, je dirais, Eiffel, enfin, disons le métal qui est très utilisé à cette période-là. Donc, en termes de... Évidemment, à l'époque, on ne pense pas en termes de sécurité, ce sont des magasins communicants, il n'y a pas de porte-coupe-feu. Évidemment, voilà, on voit bien que c'est pour illustrer dans mon propos que les magasins anciens peuvent offrir une grande beauté, mais effectivement n'offrent pas la sécurité que nous demandons aujourd'hui à des magasins d'archives. Bon, bien sûr, il y a des systèmes de sécurité dans ces magasins aujourd'hui, mais ce n'est quand même pas la même chose. Alors voilà ce qu'on appelle le quadrilatère des archives. Donc... une grande partie. Alors sur la gauche, vous voyez tout à fait à gauche en bas la grande cour, donc c'est l'entrée de l'hôtel de Soubise. Vous voyez l'arrière de Soubise, et ce que j'ai appelé les grands dépôts sont tout à fait au fond à gauche. Au milieu,
En haut, au milieu, c'est la salle de lecture, le centre de recherche des archives nationales, qui a été construit vers 1980, un petit peu avant. Et puis, de l'autre côté, sur la rue, le bas de la diapositive, ce sont un ensemble d'hôtels particuliers qui ont été achetés au fur et à mesure du 19e siècle et au début du 20e siècle par l'État français et donnés à l'administration des archives. Tout à fait à droite, ce qui est un peu flou, ce sont des immeubles privés. Donc vous voyez que nous occupons quand même, dans le centre de Paris, une place importante, assez spectaculaire. Les jardins sont ouverts au public, mais de fait, si vous regardez en bas à gauche, vous voyez que la sorte d'arrondi qui mène à la cour de l'hôtel de Soubise est quand même une porte assez majestueuse. Et aujourd'hui, on a des systèmes de sécurité à cause des attentats des terroristes. Et donc, le public a un peu de mal à entrer. C'était pour faire un écho à ce que disait Peter. Le public qui ne connaît pas les archives nationales pense que parce qu'il y a une barrière, il n'a pas le droit d'entrer. Donc on a sur des bâtiments anciens, souvent c'est assez fermé, l'entrée n'est pas intuitive, si je puis dire. Alors voilà, de l'histoire ou du patrimoine à la modernité. Donc Paris à gauche, le 18e siècle, à droite c'est le bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine. Alors, il y a eu avant Pierrefitte-sur-Seine, qui est dans une banlieue très proche de Paris, accessible par le métro. Il y a eu un projet dont certains m'ont parlé ici, j'en parle deux secondes, mais je n'ai pas mis de photos. Ça a été Fontainebleau, près de Paris, à une heure de Paris. Fontainebleau, où j'ai travaillé, ça a été un projet pour les archives contemporaines, qui a été très important, avec des bâtiments en sous-sol. Parce que le site, l'environnement de la forêt de Fontainebleau est protégé, est classé, et le fait que ce soit en sous-sol a fait que ces dernières années, il y a eu des mouvements de terrain. Le bâtiment a bougé, notamment parce que des archives ont été emportées de Fontainebleau à Pierrefitte-sur-Seine. Il y a eu des fissures importantes et il a été décidé de ne pas réparer le bâtiment, mais de le fermer. Donc c'est des kilomètres d'archives qui sont encore là-bas et pour lesquels il va falloir trouver une place. Et ça pose le problème, je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas une technicienne des archives, mais le fait de construire en sous-sol ou le fait de construire en hauteur. Et aujourd'hui en France, on évite de construire en sous-sol pour des raisons d'infiltration d'eau, de sécurité des bâtiments liés au terrain, de solidité du terrain. À Fontainebleau, en réalité, c'est de l'argile, donc c'est un terrain argileux. Et selon l'humidité, le terrain est trop sec ou trop humide, donc il bouge constamment. Et avec la pression de ces kilomètres d'archives, le bâtiment n'a pas supporté, en fait, n'a pas résisté au mouvement naturel du terrain. Donc, sur la partie toujours archives nationales, donc, on a Pierrefitte-sur-Seine, et je vais vous montrer d'autres photos, mais vous voyez là qu'il y a clairement à droite deux espaces très différents. L'espace des archives au fond, qui est une espèce de coffre fermé, avec pas de lumière, pas d'accès à la lumière pour protéger les documents, et ce qu'on appelle les satellites, donc cette passerelle qui se projette vers l'avant, qui est donc destinée à la fois aux lecteurs et aux archivistes. Voilà, on voit distinctement alors c'est Massimo Fuxas qui a fait ce bâtiment, qui a été inauguré par le président François Hollande en 2013. Et il est déjà plein, il y a un terrain à l'arrière pour construire un autre bâtiment, une extension, et il est en face de la faculté de Saint-Denis. Donc il est en terminus de ligne de métro, donc c'est facile à rejoindre. Fontainebleau, l'inconvénient aussi, c'est qu'il fallait prendre un train régional, c'est plus cher, c'est plus compliqué, c'est pas les mêmes heures. Voilà, la notion de l'accessibilité en termes de position géographique par rapport au centre-ville est cruciale pour un bâtiment d'archives.
Alors nous avons une longue tradition donc en France de à la fois de réhabiliter des archives, des bâtiments existants qui avaient d'autres usages, ou bien d'en construire des nouveaux. Donc de fait, en termes de développement durable, il est quand même plus intéressant aujourd'hui de réhabiliter des bâtiments que d'en construire des nouveaux souvent, mais les bâtiments anciens ont des inconvénients en termes d'isolation énergétique et d'installation. Donc le coût de la réhabilitation n'est pas forcément moindre. Donc vous avez là une carte de notre réseau, puisque les Archives de France gèrent tout un réseau national, y compris Outre-mer, et y compris les trois centres nationaux d'archives, donc les Archives nationales à Paris, les Archives dans le Nord du monde du travail, et à Aix-en-Provence, les Archives d'Outre-mer. Alors, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples donc, de reconstruction ou donc de nouveaux bâtiments. Alors, il y a eu, par exemple, pour ce bâtiment dans le Nord, un très ambitieux programme de rénovation qui était à la fois une rénovation et une extension d'un bâtiment de 1961 que vous voyez sur la gauche de la diapositive et avec une isolation extérieure très très importante. Alors ce bâtiment est un très beau bâtiment, il y a une station de métro pas très loin. Mais c'est quand même loin du centre-ville de Lille. Je ne sais plus, 25 minutes de métro, et après on marche dans un quartier qui n'est pas extraordinaire, disons. Alors voilà, c'est ce qui est très intéressant donc, dans ce bâtiment, dont je remets brièvement, vous voyez la façade. La nouvelle façade, en fait, c'est une façade qui, est, en réalité, permet une circulation d'air, donc qui crée ce qu'on appelle une double peau, qui permet une isolation thermique beaucoup plus efficace. Le dessin de la façade, ce qui a été ajouré, est inspiré plus ou moins par l'architecte d'archives, de documents d'archives qu'il a trouvés. Alors, c'est le plus grand centre d'archives, après celui de Pierrefitte-sur-Seine, dont vous avez eu des photos. Et c'est ce qu'on appelle pour nous le premier bâtiment à énergie positive, 80 km linéaires. Il y a des panneaux solaires sur un toit végétalisé. Et la façade, cette isolation, permet de protéger du soleil. Bon, vous me direz, on est dans le nord de la France. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais quand même, il y en a assez comme ça. Et, pardon. Et ça permet donc de limiter les impacts thermiques. Et, surprise, il y avait même des archivistes australiennes qui sont venues. Il y a Louise qui est ici et Anne-Marie, c'était en 2015 quand nous préparions la visite du gouverneur général Peter Cosgrove en France en 2016. Et nous cherchions des documents aussi de la présence australienne en France au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc nous sommes allés à Lille. Alors, assez différent comme programme, c'est celui-ci, qui est aussi dans le nord de la France. Roubaix est une ville, une ancienne, une ville où il y a énormément eu de manufactures textiles, de tissus. Et là, c'est un programme qui réhabilite un magnifique site industriel qui a été fermé en 1982 et qui est devenu ce qu'on appelle le centre des archives du monde du travail, donc pour les archives d'entreprise, les archives syndicales, des archives associatives, et nous avons par exemple aussi les archives d'Emmaüs International et de l'Abbé Pierre, très très belles archives qui sont là-bas. Les archives de Suez, du groupe Suez, de Batignolles qui a construit pas mal de chemins de fer en Afrique, ce genre d'archives. Donc,
de cette ancienne usine, peu de choses, enfin tout n'a pas été gardé bien entendu, il a fallu construire des choses plus modernes, et comme vous le voyez sur la photo droite, l'intérieur a été entièrement vidé. Ça a été des travaux très très spectaculaires. Avec donc une intervention d'architecte là aussi, et vous voyez à gauche donc cette sorte de château fort en briques rouges qui est vraiment la marque de la région, avec des éléments donc plus modernes qui sont destinés à marquer l'évolution du bâtiment. Plus surprenant, dans les archives municipales en Alsace, Wissembourg est en Alsace, dans l'est de la France, une ancienne synagogue qui a été déconsacrée bien sûr et qui n'était plus utilisée a été transformée en bâtiment d'archives pour la ville. Alors la discussion a porté notamment, vous voyez la façade à gauche avant, est-ce qu'il fallait garder des signes distinctifs ou est-ce qu'il fallait complètement anonymiser le bâtiment? Il a été décidé de garder des signes distinctifs mais de les masquer pour ne pas perturber, disons, là c'est vraiment le passage du passé au présent, le bâtiment existe encore, on peut reconnaître ce qu'il a été, mais ce qu'il a été n'est plus mis en avant, il devient autre chose. C'est assez intéressant, c'est un projet que je ne connaissais pas en fait et qui est relativement récent. Voilà, c'est l'intérêt d'utiliser un bâtiment existant plutôt que d'en construire un autre. Je pense que la municipalité n'aurait pas eu les moyens de construire un bâtiment. Là, le bâtiment existait, elle avait le terrain, ça coûtait moins cher que de démolir. Et c'était plus central aussi, parce que quand les bâtiments existent, eh bien, c'est souvent quand même dans des zones accessibles. Et c'est l'intérêt d'utiliser des documents, des bâtiments déjà existants. Alors, vous voyez qu'à l'arrière, de l'espace de stockage a été ajouté. Donc un espace de stockage neutre comme toujours, c'est-à-dire il n'y a pas d'ouverture, on protège les documents. Et vous voyez comme dans la petite salle de lecture, eh bien, des traces, avec l'accord bien entendu du consistoire, les traces sont du passé, de ce qu'a été ce bâtiment avant, ont été gardées. Je trouve que c'est un projet qui est intéressant et bien réussi. Alors, on a aussi évidemment l'option de construire des bâtiments entièrement neufs. C'est le cas du bâtiment de Lyon, qui est la préfecture du Rhône, qui est une préfecture régionale. Lyon, c'est une très grosse ville. Et ce bâtiment donc, que vous voyez, qui est doré, est près de la principale gare, la Part-Dieu. Et c'est cette enveloppe de métal doré, est une sorte de bouteille isolante, comme une bouteille thermos, qui permet de protéger. Et dans le cadre donc de la présence des archives dans la ville, mais pour que ce ne soit pas trop imposant, il y a un éclairage de nuit qui est plutôt réussi, qui permet qui fait appel en fait à des artistes, enfin pour celui-là, enfin, c'est ce qu'on appelle chez nous le 1% culturel, c'est-à-dire que 1% du bâtiment, de la construction du projet est consacré à une mise en place d'animation artistique autour du bâtiment ou sur le bâtiment. Alors parfois, il peut y avoir des architectes connus qui se sont occupés d'archives. C'est le cas de Zaha Hadid pour ce très beau bâtiment dans l'Hérault, qui en fait n'est pas uniquement les archives départementales. Les archives font les nouveaux bâtiments d'archives sont de plus en plus souvent intégrés à des médiathèques, à des centres culturels, ce qui permet au public de venir, pas seulement pour les archives, mais pour différentes choses et de peut-être, comme le disait Peter, de prendre contact plus facilement avec les archives. Et en dessous, on a déjà montré Pierre Fitt. Alors voici un projet intéressant qui montre une architecture, alors c'est un projet neuf là aussi, qui montre un projet tout à fait adapté finalement à la tradition locale. C'est vraiment une sorte de pont entre la tradition et la contemporanéité, c'est donc en Guyane française, et c'est inspiré des habitations locales, comme vous pouvez le voir.
Et on voit à l'intérieur, là c'est une fin de chantier, mais qu'on a à gauche quelque chose qui ressemble à l'accueil d'une maison traditionnelle. Et puis à droite, bien entendu, les rayonnages tout à fait aux normes. Les plafonds sont bas, les rayonnages sont en métal, etc. Je trouve que c'est un très très beau projet. Et puis, je vous présente un ou deux projets de mes visites quand je me déplace. À Prague, en République tchèque, ils ont deux bâtiments d'archives. Le bâtiment de gauche, qui est le bâtiment historique, qui a été construit en 1930. Vous voyez, c'est un relativement petit bâtiment avec des escaliers. Donc, ce n'est pas accessible aujourd'hui au public à faible mobilité. Je ne crois pas qu'il y ait de rampe. Donc, il faut monter des marches, il faut pousser des portes. Ils gardent dans ce bâtiment des archives anciennes, ils ont notamment leur coffre-fort est là. Et à droite, mais alors celui-là est assez plutôt dans un espace central, et le bâtiment de droite, qui est un très très grand bâtiment avec ses couleurs, c'est de la céramique, c'est de la faïence qui est posée sur la façade, c'est pas du métal, le métal est au-dessus. Est un bâtiment très moderne, très intéressant, qui a notamment des très beaux ateliers de restauration. Et je suis allée il y a quelques années à Prague avec le secrétaire général de l'époque, David Leitch, et nous avons eu un entretien avec la vice-ministre de l'Intérieur qui avait la tutelle des archives. Et elle nous a fait rire parce qu'elle nous a dit, c'était une jeune femme, elle nous a dit, quand j'étais petite, je voyais ce bâtiment de la fenêtre de chez mes parents, parce que c'est plutôt en banlieue, et je pensais que c'était une usine de jouets à cause des décors. Je pensais que c'était the Vice Minister of Interior who was in charge of the archives thought it was a toy factory because it was very colorful. So c'est intéressant de voir qu'on peut avoir un bâtiment d'archives qui ne ressemble pas à un bâtiment d'archives. Et puis très récemment, je suis allée avec certains de mes collègues qui sont ici en Finlande. Donc à gauche, vous avez sur cette photo, pardon, les archives nationales, donc au centre vraiment de la ville, dans un bâtiment du 19e siècle. Et là, les dépôts sont en sous-sol, sur 5 niveaux, avec donc une partie pierre et un décor de briques. Donc comme je le disais, aujourd'hui, nous ne faisons plus de dépôts en sous-sol. Et vous allez voir un autre bâtiment d'archives régionales que j'ai trouvé superbe, à une heure à peu près de route d'Helsinki, donc ce bâtiment d'Emelina, qui est récent, qui a 2-3 ans je crois, donc avec les magasins en hauteur, une façade en béton ornementé, c'est un très très beau bâtiment, qui est des dessins, des signes qui sont extraits en fait directement des archives d'Amelina. On va en voir de plus près. Et juste, pardon, je reviens en arrière. En bas, sur la photo à droite, vous voyez, on voit les salles de lecture et les espaces d'exposition, qui sont l'espace d'exposition ouvert gratuitement aux associations. Et la salle de lecture est vraiment ouverte, j'ai pas mis de photo, mais ouverte très très largement sur la rue. Mais comme c'est un pays assez froid, il y a 5 épaisseurs de verre pour protéger. Donc s'il y a vraiment, en France en général on met du double vitrage, parfois du triple, mais là il y a 5 épaisseurs de vitrage pour permettre d'ouvrir sur la rue et d'assurer la protection phonique et thermique du bâtiment. Donc on a cette très jolie animation finalement graphique à la fois à l'extérieur et à l'intérieur dans l'escalier qui dessert l'ensemble des bureaux et des espaces de stockage. Voilà, vous allez voir là, vous voyez au-dessus les symboles. Vous voyez quand même qu'il y en a un qui n'est pas tout à fait ni médiéval, ni même d'ailleurs du 19e siècle. Vous reconnaissez l'arobase, j'imagine. Je trouve que c'est vraiment très réussi et c'est durable. Enfin, c'est une manière de faire qui a été faite durablement. C'est un bâtiment qui est prévu pour durer. C'est l'avantage des constructions modernes qui est prévu pour durer extrêmement longtemps.
Et donc, pour conclure, eh bien voilà, évidemment, comme partout, chez vous, chez nous, les archives, quels soient les bâtiments, qu'ils soient anciens ou modernes, ils accueillent donc des ordinateurs, des objets, des instruments, des laboratoires, des photos, des cartes, des documents graphiques. Mais surtout, ça doit être fait aussi pour les personnes, puisqu'il y a non seulement les lecteurs, mais aussi les personnels qui travaillent dans les archives. Alors, que ce soit ancien ou moderne, il faut que ce soit pratique. Je n'ai pas pu en parler, mais nous avons des archives dans un des très anciens bâtiments en France, qui est le Palais des Papes à Avignon. Le Palais des Papes est un monument historique qui n'est pas du tout adapté à la conservation d'archives. Et pour les personnels, c'est difficile parce qu'il y a peu d'ascenseurs, peu de monde charge, beaucoup de choses qui se passent. Ils ont beaucoup de déplacements et dans les archives, comme on peut voir sur la photo, on porte beaucoup de cartons. Et donc, c'est vrai que les bâtiments modernes sont peut-être plus adaptés parfois au personnel que les bâtiments anciens. Et puis évidemment, c'est fait pour les gens, les lecteurs, de tous les âges, de toutes les générations, de tous les supports. Et c'est fait aussi pour accueillir les réunions européennes des archives, les réunions de l'ICA. Ici, c'est la salle de lecture historique des archives nationales à Helsinki, qui est une magnifique salle de lecture. Et pour conclure, eh bien voilà, moi je trouve que les archives, c'est plutôt beau. Je pense que vous ne me direz pas le contraire, c'est l'hôtel d'Assy, un des hôtels particuliers au printemps dans la cour des archives de France. Merci. Merci beaucoup, Odile. Thank you for that tour round so many different archives, very inspiring. Thank you for that. As chair of the ICA expert group on archive buildings and environments, I think we've got a few visits lined up to come and see some of the inspirational locations and buildings. Of course, sometimes we're not always given too much choice about which buildings we have, but sometimes when you can start from scratch, you can really see inspiration kicking in. And even where you have an older building, still there is amazing things you can do with that building. So we've got a chance now for questions and answers. And have we got a roving mic? We have, yes. We've got two? Excellent. So Peter and Odile are happy to take your questions. My name is Mark Beasley, manager at the Geelong Library Heritage Centre. Thank you, Peter, and merci Odile for your presentations. My question is to Adil. I'm interested in your observations of archives that have been refurbished, I suppose, or rebuilt. Do you think you've been able to achieve the space that, you know, Peter's talking about, that offers an experience for the people coming to it, the users and the visitors to it? And is it more difficult in those refurbished buildings to be able to achieve that? Just repeating the question, it's about refurbishing buildings, and yeah. Do you have the same opportunities that were in Manchester when you've been refurbishing buildings to reclaim the space, reimagine the space in the buildings you've been involved with? As opposed to building from scratch, building from new? I think it depends on whether the building is very old or not. How would I put it? As you see in Roubaix, if I understand well your question, it was entirely emptied and destroyed inside. It was just the outside which was kept. Not everything. Yes, if it's part of the project, in fact, it's the architect who has the role of making proposals for rebuilding, and of course speaking with the archivist, because
What we have in France is we have architects which are now specialized for archive building because they are rather different from other cultural buildings, of course different from museums and even libraries. We don't have the same needs. We don't have exactly the same way of working around for the staff around the building. So we have now a specialized architect, and we have in France, in Archive of France, an architect too. She's helping the project of reconstruction and leading them to better optimization of the building. So it depends. In fact, I cannot say in general, I think. So are there other questions? Yellow. Kia ora. Hello, my name's Mark. I'm from the National Library of New Zealand. Thank you both for your presentations. My institution and my colleagues from Archives New Zealand are about to embark on a design of an archival building and associated services jointly together. So this was very useful for me, and I'm sure my colleagues as well. My question is for Peter. You talked about that polyvocal space, that kind of transition space where customers or users sort of transition into the archival spaces. Can you talk a little bit more about some of the challenges or some of the benefits from getting those community voices involved in that those sort of exhibition spaces or as part of that process? Or even some of the process around bringing some of those communities along into that space? Thank you. Yes, I think one of the advantages that Manchester had was the partnership model that worked for the creation of Archives Plus. The different archives that that came together to form that organisation, if you can call it that, that's the right word, had their own different communities, their own different audiences, which they were in a sense able to share amongst the whole of the different archives that made up the partners. And I think some of the different archive services had worked extensively with different communities, so they were able then to, if you like, bring those different communities, those different audiences together into the space. I think one of the challenges which kind of emerged from that was that with the different partners coming away from or outside of those different communities into a new central location. So there was one archive that was already located in the central library, but others had come from other places in the city out of communities. And there was that anxiety about losing that connection and that relationship with the community by physically moving away from there. So I think that was very much an important consideration in the development of the project and the need for continual conversation between, not just between the communities and the archives, but also amongst the different archives themselves as to how that partnership model would work and how they'd be able to integrate and retain those audiences was really key. I think because of that partnership model, they've been able to build on that by working with other community groups within the city and having that space. I think the idea of a community space was very important through the whole consultation process. It emerged out of that when they were talking to different community groups, the need for those groups to have a space to be able to exhibit, and then the ability to put that into Archives Plus and to facilitate that. So I think it was an important part of the process of communicating and talking to enable that to happen. Are there any other questions? The gentleman in grey here in the middle. Sorry, and then at the back, yeah. Sorry, later. We've got time for questions because we only had two presentations, so we've got another 15 minutes or so. Right, so plenty of time. Sir. Oh, hello, I'm Warwick Pease from the Tasmanian Archives. This question for Peter. With your open view of the archives, people walking in and things, how do you balance that with
ensuring care for the records, making sure the records are properly looked after when they're being looked at. And also another theme from yesterday was the deep thinking. I'm guessing one aspect was the reading room aspect. Can you talk about some of the issues and about those two factors, please? Okay, thank you. So I think the, I'll go with the second point first, which I think having talked to many of the different people that work at Archives Plus who've been involved in that process, I think the relationship between the deep researchers and then this sort of open space that was being created was one where there was potential tension as to how that would work. And I think new researchers who were established in using the archives, there was a perception of there being a threat to that because of this new model that was being introduced. I think the emphasis that came out of conversations that I've had with people was that the reading room, the search room, is still there. It's still present and it's still available for people to access and to use. And this idea that people, those deep researchers, are going to come to the archive anyway. They know that the material is there. They're going to access it. They'll find their way there. And so even on a physical level, the search room being deeper in the building, they will still be able to navigate to find that. So the emphasis then, the energy, was on those other audiences that perhaps are not going to be being able to do that. Can you repeat the first question? Okay, sorry, I can't remember. With the archives being sort of the open spaces that you were talking about, how do you ensure the records are being looked after and being handled correctly? Okay, thank you. Yes, I think this also was a point of tension, I think, from the conversations that I had. One of the key things which caused some uncertainty was this blending of the cafe with the exhibition and the fact that people could take their teas and coffee or food anywhere in the library. As it happens, they can't take them into the search room and the reading rooms, but otherwise, yes, into the local studies area or amongst the exhibits and so on. And I think there was a question, a lot of anxiety and uncertainty on the part of many of the staff about, is that really a good thing that should be happening? So I think it was looking at the space and how it works. I think a lot of the exhibits are securely exhibited. Many of them are digitally available as well. So that sort of preservation and control is less of an issue because of those standard things that you would expect within an exhibition space. And I think that the reading room is treated in very much the way that you would expect with the preservation and care of collections. So I think those things, of course, they are taken very seriously and they are necessary and important, but I think it's sort of working with that, but reframing how engagement can happen that opens it up as well. Okay. We had a question at the back, please, the gentleman. Bula, I'm Mohammed Khan from the University of the South Pacific. We are based in Suva, Fiji. My question is to Peter. At the moment, we are in the process of setting up an archival building for the university, and this is the first time it's going to happen. The building is intended to house all of the university's records, paper records, and audiovisual records, as well as pictures from Fiji and the 12 member countries. The approval has been given by the Senate and Council. So my question is, what are some of the critical parts of the design or plan we have to see that it's implemented in the plan, or what are some of the things that we have to pay close attention to that should be included in the building design? Thank you. From the perspective of a university archives building. Okay,
Thank you. So I think the main sort of drivers in designing the archive space in that way was, I think fundamentally though the driver behind the whole project was the need for increased storage and for better preservation of the records, and also internal within the council the need for bringing for better management of different archive services. Two of the archives were managed by the council but were in separate places, so it was more efficient to bring those together. But then that opened up the opportunity to rethink how audience engagement happens. And I think the main drivers from a in one sense is how to engage with more people. So recognizing that there are very few people that were currently using the archives, and trying to think about how to attract and engage with more people and a more diverse audience as well. I think when that translates into the design of the space, of course they're working within the confines of the space itself, and how that itself is made and how they're developing that space. But I think the need or the desire to attract new audiences by creating a space that is open and relaxed, an environment that people will be happy to come into and experience. I think one of the theoretical underpinnings of this that the library talked about was the idea of the third place, of a place different to home and to work that people can go and hang out in or engage in and spend time in, and to recreate the whole of the library, but particularly the archive space, as a place that people can come to and just meet other people and engage with other people, but the collections are there as part of that. And there is a sense of drawing people into the collections and engaging with those, as well as meeting with other people. So I think that sort of focus on audiences and engaging with wider and more diverse communities was the key sort of driver behind both the overall project, but also the way in which the space itself was ultimately created and shaped. I think it's important to say that having been to Manchester myself and seen at first hand, there's a lot going on, and it's a very busy space. And I think one of my feelings was, are they trying to do too much? I don't think that is the case, but they are trying to reach so many different audiences, and there's so many different things there. You're never short of anything to do there. And if all else fails, you've got the cafe, which is right in the center of the city. Yes, the lady from Iceland here. Yes. My name is Hrefna Rópersdóttir from the National Archives of Iceland. It's very interesting to see all those different archival buildings, and many of them very beautiful. I have a question to both of you, and maybe to Peter. It's very interesting to see this user perspective. Do you have any more examples? Are other archives in Britain or elsewhere really pushing this method? And for Odile, I would like to say, you mentioned you had pictures of very many archives. Is some of them very good from this user perspective? Are they good examples? Do they work well from a user perspective? You had pictures of lots of great design. Well, I'm not sure I can answer this question from user perspectives. You know, in France, I think, en France, comme dans beaucoup de pays, en fait, on a un défi de faire venir le public dans les archives. Le public vient moins. On a surtout des généalogistes, et encore. Maintenant, beaucoup de choses sont numérisées et les gens travaillent à distance.
Donc effectivement, je ne sais pas si ça répond à la question, mais le défi, et c'est pour ça que c'était très intéressant, le défi c'est de faire venir une autre population, une population pas forcément plus jeune, mais qui ne connaît pas les archives, qui a l'impression que les archives c'est quelque chose ou de très compliqué, ou bien qui n'est pas fait pour eux. Et donc je pense que les nouveaux espaces ont des salles de lecture plus petites et des espaces d'exposition plus ouverts, et essayer de que le public ait envie d'entrer. Mais par exemple, pour prendre l'exemple de Kew, des Archives nationales du Royaume-Uni, Kew, qui est donc à l'extérieur de Londres, et qui est d'ailleurs, les archives sont dans un coin de Kew, une partie de Kew qui est un peu excentrée. Ils ont une cafétéria très agréable, ils ont une boutique et un espace d'exposition, tout ça au même endroit. Aux Archives nationales, on n'en est pas là. On a encore tendance à séparer tout ça. Et c'est des discussions que j'ai avec des collègues, c'est pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas davantage ? Mais ce n'est pas facile. Yes, thank you. So in terms of other examples, I was going to mention, as Odile has mentioned, the National Archives in the UK, and Jeff James' presentation earlier this week was really interesting example of the kind of work that they're doing, what they have done, and how they're looking at the experience of visitors, or how they hope to shape new experiences for visitors, which is not necessarily just about research, but opens up other kinds of experiences and ways of engaging with for audiences as well. I've talked to quite a lot of people as part of my research, and there are a number of different places where there are similar things either happening or where people are talking about things that they'd like to do. I think what's interesting is the different scales on which these work. So another interesting example is the National Archives of the Netherlands, where there is a large gallery space in the archive, which has been specifically created in recognition of the fact that a large proportion of their potential audience are interested in archives and heritage and culture and all those things, but aren't necessarily going to find information through research. And so they've developed this archival gallery, which sits in the archive, but sort of serves almost a separate audience, but still a key audience as well. I think the US National Archives is another example where they have a very large museum, which is quite distinct from their research spaces as well. But then I think what's also important, perhaps, is those places where they're looking at things on a very much smaller scale. So they're not necessarily introducing or creating huge, there aren't large capital projects involved, but they're doing smaller things within their existing space that's designed just to speak to those different audiences. And some innovative exhibitions at the National Archives of Luxembourg are quite very interesting, where they were doing very simple, very cheap exhibitions within their existing gallery, but were very much very effective, very impressive, and very much attracting or designed to attract a different audience and to think about archives in a different way. So I think those kinds of examples hopefully show that there's a lot of thought and activity and ideas going on, but also different scales at which that's happening, and therefore the potential for things to happen in, on large and small scales. Certainly from my own experience at London Metropolitan Archives, when we redesigned the public spaces there, for anyone who's been, it's quite different to the traditional reading room. And we went with the principle that everything should be flexible, everything should be movable, so we can convert our archive study area into a conference space within 10 minutes just by flipping up the tables, wheeling things to one side. So, you know, I think sometimes having that element of flexibility, things will not always be the same from when you design the building. Things change very quickly. I think we've got time for one last question, if there is one in the room. Gentleman in the centre aisle, please. And then we've just got about 3 minutes and it's the end of session. Brian Scales from the National Archives of Australia. Just got a question about how many of the ratio of browsers who then become researchers.
because for most people, the relationship with archival records is not a casual one unless they're digitised. Have you found that people who've had a first experience in the environment of Archives Plus, for example, have then come back as researchers? Is that reflected in the statistics of user use, and in to your knowledge in other environments like that? Has there been a change in the patterns of use, and again from the people going from the casual, from the accidental to research? Thank you. It's a very interesting question. I suppose the research and the findings are based on the anecdotal evidence from people that I've spoken to. So I don't have any necessary statistical data to support that. But I think what's interesting is how, in many of these cases, when I'm talking to people about the work that they're doing and how they understand the relationship between the browser audience and a sort of researcher audience, is that they tend to remain quite distinct, and that they don't seem to cross over all that much. So at the National Archives of the Netherlands, where they were very particular about the types of people, those categories or groups of users, and how they were using archives, the exhibition, there was an exhibition about the Dutch East India Company, which they deliberately included certain searchable databases within the exhibition that attracted a more a sort of family history related interest, and there was some crossover of people using that and then coming and doing research in the archive and following up on their family history. But generally speaking, their audiences to exhibitions were not necessarily coming back and using the search room, and it reflected the type of exhibition and the theme and what it was about, but it also kind of suggested that the audiences would not necessarily move from one to the other. But the key thing, I think, behind that was, therefore, in designing and creating these spaces, was to design those spaces specifically for that kind of engagement and not to expect a translation into research. And if that happened, and for some people it will happen, and that's great, but if it doesn't, that's okay as well, because people are then engaging with it in this experiential way, and recognizing that as a vital and valuable kind of experience. So it's sort of reaching out to those different audiences and recording or evidencing that form of use as a valid way of experiencing the archives. And that seemed to be the kind of key thing that came out from those conversations. Well, I think it's been a great session. This has inspired some really good questions. So thank you very much for listening. And if you'd like to thank our presenters, please, Peter and Odile.